bienvenue dans nouveau numéro Sabine familial pour tes pour nous. J'espère que nous allons bien. Salut Daphné. Allô Nadège. Salut. Aujourd'hui, nous allons parler de TDAH qui se trouve déficitaire d'attention avec ou sans hyperactivité. Effectivement, et il faut nous rappeler par un petit bonjour à tout le monde avant tout. Et puis, dans le trouble déficit d'attention, il y a un déficitaire d'attention, il y a trois catégories. Oui. Mais aujourd'hui, on a plus centré nous sur TDAH. Les trois catégories, ça y est, il y a trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité qui c'est vraiment TDAH, non? Il y a trouble déficitaire d'attention sans hyperactivité, moun sa yore le TDA, et puis il y a hyperactivité avec hyperactivité sans trouble d'attention. Alors notre trouble d'attention c'est vraiment trois catégories de monde qui gagne. Et puis je dis nous allons plus centrer nous sur ces monde qui TDAH. Maintenant nous allons définir pour nous qui s'allier, quelques signes que nous carrés qui montrent nous que un petit monde qui a TDAH et nous allons bah nous tout quelques interventions que nous avons privilégiées même qui parlent. Maintenant on a commencé avec les définitions. TDAH là il définit comme un trouble neurologique. Donc, c'est un trouble déficience d'attention avec ou sans hyperactivité, j'en sais définir, non? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire c'est bon, Timon, non? L'y pas fonctionner, l'y fonctionner yon petit genre différent avec yon petit monde normal. Yon petit monde qui TDAH, Daphné, c'est yon petit monde qui très sensible. Timon, ça, le plus souvent, l'y besoin en pile sécurité, l'y besoin en pile attention. Et c'est un petit monde tout qui compte souvent mal compris, bien malheureusement, par environnement qui, environnement immédiat. Effectivement. Hein? Et puis, il y a un peu de signe que par un cas civilé, pour nous cas qu'on ait une idée de ce TDAH, pour qu'on ait ce TDAH, c'est surtout après examen, un spécialiste côté, un spécialiste qui va vérifier certains symptômes, qui va démontrer ça, et ça va mener à une série d'évaluations que les spécialistes vont faire, surtout neuropsychologues ou bien psychologues qui ont fait l'évaluation. Oui, exactement. Donc là, nous pourrons aller pour nous d'affaire, mais quelques symptômes qui ont montré que un petit monde est TDAH. Donc ça ne veut pas dire que c'est tout ça nous va montrer que si un petit monde a deux ou trois, que est TDAH pour ça. Et un petit monde qui est TDAH, c'est un petit monde qui a une difficulté pour le concentrer et aussi pour écouter consigne. Le plus souvent, tout le monde ça est désorganisé dans la routine, dans l'environnement côté la vie. Là. Tout le monde ça, le plus souvent, il manque de persévérance dans sa affaire. Par exemple, depuis qu'il y a un petit genre difficile, ils sont en tâche, ils sont en devoir, ils ont un petit genre difficile, pour le concentrer, ils découragent facilement parce qu'ils n'ont pas qu'à concentrer, ils n'ont pas gagné assez attention pour être capable de rester sur ça l'affaire. Oui, effectivement, tout le monde ça a découragé vite. Yo manque attention et puis ni facile tout pour yo distrait même si n'a pas les actifs non il est toujours loin donc on tient qui dans la lune hein? Exactement et puis tout le monde ça il est tendance oublier vite tout la fin de bagarre qu'on est et puis tout l'oublier et puis tout pas même songer même donc c'est pas volontaire et puis tout le monde ça nous capable ouais ça tout si tout monde a gain hyperactivité c'est les tout monde le plus souvent il pas arrêté en place effectivement tout monde est toujours à bouger c'est ça nous relie impulsivité en tout la qualité ça c'est plus au niveau physique les n'a parlé de hyperactivité ça veut dire au niveau attention est difficile au niveau physique est difficile tu nous a toujours à tourner en rond toute journée il est toujours besoin d'un jouet normal exactement le plus souvent tout le monde ça toujours il est patient il besoin bagarre là s'il besoin bagarre là c'est qu'on y a vite 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 maman je veux ça c'est maintenant et puis tout le monde ça tout d'affaire il pas bien conscience du danger pas bien conscience du danger ça veut dire qui ça ça veut dire un petit monde qui TDAH ou bien il besoin bagarre il par exemple il en l'air il voit un bagarre à terre il pas peut lancer en bas parce que il pas bien conscience qu'il y a un danger tout près et puis mais ça qui intéresse c'est aller côté vérifier c'est faut pas côté en pile attention à ça parce que tout ça au parent côté de danger mais ça pas veut dire tout si tu mon gagne deux ou bien trois dans ça nous société à la que TDAH on oublie comprendre ça parent yo c'est pas ça yo qui prouver ça mais c'est vraiment un diagnostic de un spécialiste neuropsychologue psychologue c'est eux qui bral poser diagnostic ça.
Donc, les constats, les spécialistes à l'hypothèse ont diagnostic le plus souvent, ça qu'on arrive tout d'après, les parents, yo, les parents qui disent, ah, oh, t'es gentil, ouais, ça, yo, t'es parce que yo, quand t'es mon nom, yo, ouais, surtout si parents, ça, c'est deuxième petit ou troisième petit, qui a expérience, ça, c'est, li, ouais, t'es mon nom, présenter signe, vraiment. Et puis tout, d'après TDAH, là, tout, il pas paraît d'un coup, dit présent depuis naissance, t'es mon nom. Pour certains timon ou kawel présent depuis la naissance mais pas forcément tout timon. Maintenant et à quel âge nous ka commencer suspecter ça c'est vers 2 ans 3 ans mais gen timon tout c'est là ou à l'entrée dans maternelle que yo vraiment ouais timon ça ka TDAH parce que ça ka arrivé parents li pas rendre compte et puis c'est là timon n'a pas l'école en dernière année garderie et puis yo remarqué et puis yo al fait yo conseiller pour y aller en spécialiste et puis diagnostic la tombe. Effectivement, parce que tout le monde a des ordres en pile. Je nous dis que les parents qui ont depuis dans les sociétés, mais pas forcément. Maintenant, nous allons essayer d'expliquer nous. Moun kap vive nan environman yo Daphné le plus souvent c'est yo même qui compte le plus souvent conseiller parent yo par exemple yon prof yon éducatrice c'est moun sa yo qui compte plus souvent observer signaux d'abord et puis qui fait part de ça à parent yo effectivement parce que c'est yo kap travaille vraiment au niveau académique avec ti moun yo attention yo kap tout ça maintenant c'est qui ça nous ka fait si nous ta commencé remarquer symptômes ça c'est qui ça parent ka fait c'est que ça nous ka fait yon bagage qui important que nous peut partager avec nous c'est observer ça qu'arrive que ou gagne un calepin ou bien un bloc de notes quand que ou capable noter tout comportement qu'on trouve qui ont des gens bizarres qu'on trouve qui inadéquat pour pas comprendre ou capable noter yo et puis tout parler ou parler avec un spécialiste qui là pour ça pédiatre ti moun nan médecin ti moun nan partager pour dire mais qui sont mes certitudes ou et puis tout pour eux même yo capable de donner sens là effectivement parce que gen spécialistes qui disponible surtout pour nous même qui au Canada nous connaît dans l'école gen plusieurs monde qui là nous ka parler avec yo et puis ça nous ka fait si nous recevoir diagnostic pour bagaille là c'est rester calme parce que si nous c'est petit tout et puis baite tout yon temps pour accepter diagnostic parce que dépendamment de nous nous connaît que pas facile les autres si nous gen un trou c'est pas facile pour nous accepter mais grand pile mise en place qu'il a pour aider Timon. Maintenant quelques conseils Daphné que nous capable porter selon comportement Timon. Si Timon par exemple qui anxieux, Timon qui anxieux ça nous fait nous capable établir une routine. Par exemple nous avons une feuille de route qui détermine tout horaire Timon qui détermine tout ça qu'il pour faire dans la journée. Effectivement parce qu'avec feuille de route Timon ka wè changement qui a bien dans le journal parce que tu m'as toujours posé la question qui ça a bien, qui ça doit arriver. Tu m'as dit qu'on est anxieux et puis avec courir ça, il y a qu'à comprendre et puis établir un environnement qui est stable pour que tu m'as aidé pour diminuer l'anxiété. Oui. Exactement. Comment qu'a fait tout Daphné si consigne qu'a paraît plus clair pour ti moun nan? Ça nous qu'a fait, premièrement, première bagage que nous devons connaître, faut que consigne pas trop long. Bayon consigne à la fois. Parce que tout autant consignant long, c'est tout autant Timon n'y pas comprendre facilement ça ou demander pour le faire. Et puis tout Timon n'a tout à fait, c'est à faire une activité, son café, camper son activité à ou même parent, pour capable assurer que gain attention parle. Et fait, pour capable commencer balle consigne qu'on voulait parler. Contact visuellement, faut que nous essayer gain de la poser Timon n'a yon consigne. Et puis si tu m'as des difficultés dans le devoir par exemple si tu m'as pas manqué attention ça nous a fait nous a réduit ta activité parce que plus activité à long c'est plus la de concentrer puis vite et puis l'autre appareil que nous a utilisé par exemple si tu m'as fait devoir pour nous faire attention c'est nous a utilisé timer ou bien sablier plus en Haïti c'est ça nous sera donc capable prendre comme pour aider c'est des outils qui nécessaires que nous capable bien avec nous tout et puis tout maintenant tout d'après ça yo sa ta supposé comprendre tout yon ti moun ka viv yon avec yon TDAH li pa yon ti moun ki bizarre le plus souvent ti moun sa c'est ti moun ki de très sensible c'est ti moun ki vraiment passionné de sa affaire et c'est des ti moun ki vraiment affectueux et puis c'est ti moun tout qui ka réussi dans sa affaire pas parce que ti moun dans bon trou ou parce que son ti moun et qui pa ka étudier n'importe bagay non il y a une structure qui met en place un système de TDAH qui est arrivé pour le bagaille. Seulement, c'est environnement pour nous mettre stable. C'est pas un petit moment, mais une structure en place pour que nous puissions apprendre dans la caille, dans la caille, dans l'école.
collaborer avec les professionnels pour les apporter du travail, résultat que nous-mêmes la patronne. Et puis du coup, encadrement. Et puis, pas négliger, c'est pas tabou. Pas négliger, partager, c'est parce qu'il y a des cercles de parents, il y a des groupes qui lancent les parents pour pouvoir parler, pour soulager leur journée. Vous espérez que cette vidéo ça a fait un plaisir. Comptez avec vous. Partagez, likez, puis abonnez à notre page YouTube parce que au plus que nous partagez, au plus que nous abonnez, nous avons bien plus de temps, nous avons plus de vidéos et puis tout. Pas négliger, tout fait nous devoir des suggestions, par exemple, il y a ça, c'est un parent qui t'a dit nous, ok, est-ce qu'on peut parler de TDAH, donc vous pouvez décider et faire une vidéo ça avec nous. Pas négliger, tout si vous avez une vidéo, si vous avez une idée, n'attendons très ouvert pour des suggestions. Effectivement, et puis si il y a des gens qui viennent d'être, vous ne pas oublier, partager avec nous, la parole des solutions, de personnalité par rapport à l'équipe. Merci tout. Alors, nous disons merci d'être là, nous disons à bientôt. À bientôt. Bye. Bye.